Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine alors pour faire une des vidéos que j'aime le mieux faire puisqu'il s'agit du bilan du mois. Alors, que je reprenne un petit peu parce que comme d'habitude ces derniers temps, c'est une vidéo qui n'est pas préparée. voilà, un petit peu à l'arrache. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec moi, voilà. Effectivement, si je reprends, voilà, on fait bien la clôture du mois d'avril pour ma part. Et dans une vidéo prochaine, on fera donc le remplissage du mois de mai. Donc moi, je vous expliquais que j'étais un petit peu en décalé sur avril, puisqu'avant j'avais l'habitude de faire mes bilans et remplissages donc le jeudi, alors que j'ai reculé maintenant au samedi. Donc, ce qui fait que ça, déjà de base, quand je faisais du jeudi... Enfin, à partir du jeudi, mon bilan et remplissage, j'étais un petit peu décalée sur mai. Mais là, d'autant plus, avec les 2-3 jours supplémentaires que je me suis rajoutée, donc c'est-à-dire pour le samedi, eh bien, je suis encore plus décalée. Je suis décalée d'une semaine carrément sur mai. Mais après, ce n'est pas du tout gênant. Hein, juste sur mai, bah voilà, je serai en 4 semaines. Donc ça, c'est très, très bien. Et mon prochain mois, 5 semaines, sera un petit peu plus retardé du coup. Donc, c'est finalement pas plus mal, ça fait bien mes affaires. Bien écoutez, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai depuis hier 36 ans. 36 ans, ça fait un coup parce que je me dis... à vous raconter l'anecdote hier soir. Donc, ma tata, donc, qui est ma marraine, on est très très proches, on rigole beaucoup ensemble. Au moment de souffler mes bougies, j'ai... Allez, on compte jusqu'à 36. Et là, elle m'a fait délirer puisqu'elle dit « Non, on décompte depuis 40. » Et là, 40, 39, 38, 37, 36. Il n'y avait que 4 décomptes. Et là, ça m'a mis un coup, je ne vous raconte pas. J'ai dit « Quelle pétasse, celle-là, c'est pas vrai. » 40 ans, voilà, bientôt. La prochaine étape, c'est les 40. Quoi. Quand j'avais 35, je me dis « Bon, je suis à la moitié de ma dizaine, ça va. » Là, 36, waouh, on se dit, on est plutôt jeune, voilà. Bon, après, c'est ça un détail, hein, c'est pas bien important. Le principal, c'est d'être en bonne santé, d'être comblé, hein, même si, bon, c'est pas tous les jours facile, etc. Mais voilà, de mener son petit train et surtout, surtout la santé, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important, finalement. Voilà, donc j'ai depuis hier 36 ans. Je suis maman de 2 filles qui ont 10 et 7 ans. Je suis en couple, nous avons à nous deux un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit immobilier à rembourser. Alors moi, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, ça fait un mois qu'il a repris à lui seul un bar brasserie, voilà, dont il est le gérant. Donc lui, pour la petite histoire, du coup, ça pour ça le Pôle emploi est bien fait, c'est que pendant, il me semble, 2 ans, il va être indemnisé d'un revenu à Pôle emploi, voilà. Il ne se tire pas de salaire depuis l'entreprise. Il est indemnisé par Pôle emploi. Voilà. Donc, ça a largement diminué ses revenus. Mais bon, bah on arrive à s'en sortir un petit peu comme ça. Je vais justement peut-être un petit peu plus rentrer dans les détails. Vous en expliquer un petit peu plus sur la vidéo suivante qui sera la vidéo remplissage du mois de mai. Voilà. On a commencé les enveloppes budgétaires depuis février 2022, donc un petit peu plus d'un an, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour dépenser moins en charges variables, hein, donc tout ce qui est courses, carburant, vêtements, etc. Également, pouvoir anticiper toutes nos dépenses que j'appelle plaisir, par exemple un week-end, la réservation d'un week-end, etc. Et enfin, on aimerait pouvoir à terme préparer notre retraite en investissant notamment dans l'immobilier. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va sans plus tarder faire le bilan de la dernière semaine, de la 5e semaine du mois d'avril, mais également du mois en entier. Par quoi je commence ? Bah, par celui-ci, tout simplement.
Hop, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il me semble rien de fou, hein. Je crois que ça a été. Je sais plus trop. Je sais plus trop, je sais plus trop. Alors attendez. Oui, voilà. Course. Oui, j'ai plus mes trackers. Ça, c'est mon tracker par contre des cartes fidélité qui d'ailleurs ne doit plus être à jour. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, j'avais 50 euros dans l'enveloppe course. Maintenant, je mets seulement 50 euros. Donc évidemment, je ne sauve pas grand-chose, mais j'en sauve quand même. Alors, 14,60 €. Tiens, je vais le noter tout de suite dans mon petit cahier de budget. Parce que vu que j'ai plus de tracker, eh bien, si je ne le note pas aussitôt, bah, je l'oublie finalement. Tac. Attendez. Comment on va s'organiser? Comme ça, c'est mieux? Hop. Donc, on en est. Voilà, ici. J'y vois rien. J'ai tout le matos devant moi. Hop. Semaine 5. Donc, on a dit en course 14,60 €. Ok. Après, ça va être. Là, j'ai un bon de réduction chez Leclerc, mais je crois que j'ai dépassé la date. Ah non, c'est jusqu'au 7 mai. Donc, c'est jusqu'à dimanche. Oui, enfin, ça doit être fermé le dimanche, mais. Ok, mais je pense pas qu'il faut avoir 40 euros de course et je pense pas que je vais aller faire 40 euros de course aujourd'hui. Déjà d'une, parce que j'ai pas le temps de regarder ce qui manque. Et de deux, j'ai pas l'impression qu'il manque grand-chose. Loisirs d'hiver. Alors ici, hop, bah, j'ai rien dépensé. Ah bah, c'est parfait ça. Yes! Vous voyez, on travaille tellement avec mon mari qu'on n'a même pas le temps de dépenser notre argent. Ça, c'est un bon moyen d'économiser. Travaillez beaucoup, n'ayez plus de temps pour vous, vous verrez. Vous n'aurez même plus le temps de faire vos courses parce que vous ne mangez et aussi vous ne mangez plus, donc pas besoin de faire de courses et pas de dépenses inutiles entre guillemets. Enfin, pour tout vous dire, j'ai voulu aller chez Action le lundi 1er mai. Alors c'est pas bien du tout, hein, mais là je me dis, on va m'accorder pendant 2-3 mois de dépasser les limites comme ça et d'aller faire les magasins les jours fériés parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Tant pis, le temps de m'organiser. Il y a encore quelques années, j'étais catégorique, c'était non, je ne fais pas les magasins les dimanches et jours fériés. Simplement, là, je vois que sinon, je suis dans la merde pendant une semaine, donc je n'ai pas le choix. Je m'excuse auprès des travailleurs dans ces enseignes. Mais pendant 3 mois, vous allez un petit peu me voir à des horaires ou des jours que vous n'appréciez pas. Parce que sinon, je suis dans la merde. Bon, alors du coup, j'ai voulu aller chez Action le 1er mai parce qu'ils sont tout le temps ouverts chez Action. Ils ne connaissent pas les jours fériés. Eh ben, figurez-vous, j'étais content pour les salariés d'Action. C'est que le magasin était fermé. Donc, tant mieux pour eux. Et alors, moi, j'ai pu garder mon argent. Tout simplement. Je devais me racheter, vous savez, des feuilles A4 pour la plastifieuse, des feuilles plastiques, et je devais me racheter aussi un pot de fleurs en grès, là, enfin en terre cuite, pour y mettre du sable, et ça fait office de cendrier en fait, parce que là, à la maison, on n'a pas de cendrier. Bon, après, on fume plus, nous, mais qu'on a des invités qui fument, bah, du coup, ils ont rien quoi, pour jeter leur mégot, c'est un peu pénible. Voilà, tout simplement. Alors après, en carburant, on n'a pas trop utilisé parce que bah, finalement, on commence à ne plus avoir l'utilité non plus de cette enveloppe. Alors, attendez, assis. Parce que nous, comment dire, nos véhicules, donc celui de mon mari et le mien, nous servent à aller travailler. Et en fin de compte, ça peut être pris sur le compte de l'entreprise. Donc, je vais voir avec mon mari, là, je vais refaire le point avec, mais je pense que pour le mois prochain, je ne vais plus remplir non plus cette enveloppe, puisque ce sera prélevé directement sur le compte de l'entreprise. Voilà, donc vous voyez, vous allez voir, nos revenus, enfin, du moins celui de mon mari, a largement diminué, mais en même temps, ça va s'équilibrer parce qu'il y a des catégories qui sautent. Donc ici, on a 30, là, j'avais fait un tracker par contre, ouais, 39 euros. Hop.
Et là, j'ai pas mal de pièces, mais ça, c'est pas bien gênant. Je les mettrai dans le défi des centimes. C'est plutôt bien aussi. Ici. Et j'ai dit 39. Yes. Ensuite. Coiffeur. Bah ça, il n'y avait plus rien. Hein. Hop. Mon mari y avait été. Je me note. 0. Ensuite, on a pharmacie. Oh, j'ai pas été acheter mes huiles essentielles. Oh, quelle saucisse, c'est pas vrai. Bon, bah du coup, il reste 20 euros, il me semble. J'avais mis sous cette forme, je sais plus pourquoi. Je crois qu'il me fallait de la monnaie dans une autre enveloppe. Bon, bref. C'est pas bien grave. Ah, bon. Là, les 5. Et là, les 15. Hop, ça, c'est mon ordonnance pour ma contraception. Donc, on a dit pharma. Il reste 20. OK. Ensuite, vêtements. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Ah ben, j'ai noté 13,93. Je vais noter tout de suite. Et là, ça va être une enveloppe. Il va m'en manquer. Il faut que je la remplisse, celle-là. Il faut absolument qu'on se rhabille. On n'a plus rien à se mettre avec la nouvelle saison, d'autant plus. Ah tiens, j'ai un bon d'achat, je dois y aller cet après-midi, mais je sais pas. Il reste 10 balles ici, mais c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une date? Mars 2022 et on est en 2023. Bon, j'abuse, hein, plus d'un an après. Oh, comment j'abuse? Juin 2022. Ah non, on repart sur juin. Ah, ça peut le faire. Bon, on va voir si elle accepte ou pas. Coucou mon père, tu fais quoi? Tu sais pas quoi faire? Je finis ma vidéo, on fait le petit dash. On fait ça? Oui, je suis en train de faire la vidéo. Vous regardez plus Netflix? Ça t'ennuie. D'accord. Bon, tu me laisses terminer. Ouais. Tu joues au turing? Tu fais du turing? Oui, je pense. Vas-y. Je continue? Ok, cool. Alors, après, dans Resto Invité, donc j'ai pas rempli mon tracker, je sais pas trop où on en est. Il y avait, il me semble, 80 euros initialement dans cette enveloppe. Et donc, cette fois, merde, on en est à, alors, 20, 40, 50, 60, 65, 66, 66,80 €. Oh, bon, on n'a pas tellement dépensé. Pas mal ça, resto. Oh, j'ai pas mal de pièces ici, je vais bien pouvoir faire avancer mon défi des centimes, c'est cool. J'ai pas rangé mes boumes, j'en laisse partout, bravo, au travail. Ensuite, l'enveloppe gain. Alors là du coup, il y a quelque chose qui a bougé, je vais vous montrer la manip tout de suite. Alors, ce qui a bougé, c'est qu'on a fait une vente sur Le Bon Coin. Donc, du coup, on a été recrédité directement sur, sur notre compte bancaire. Donc, ce qui fait que je vais quand même faire ressortir justement ces 10 euros pour les mettre dans la catégorie gain. Donc, Le Bon Coin, je ne sais pas, je vais noter la date d'aujourd'hui et on est le 6 mai. Donc, moins 10, ce qui fait que dans mon enveloppe de report, il me reste 1,55 €. Voilà. Et c'est pas passé grand-chose hein, pour une fois sur mon enveloppe de report en CB. Hein. Vous voyez, comme quoi, on ne dépense vraiment plus grand-chose. Voilà. Donc, ici, mes 10 euros. Hop. Donc là, je vais faire basculer donc, dans l'enveloppe gain. Donc, on a vendu des livres, me semble-t-il. Voilà. Hop, je les range ici. Et ici, dans l'enveloppe 5 euros, bah, j'en avais peut-être. Oui, j'en avais.
quelques-uns. Mais vous voyez, j'ai même pas eu le temps de les mettre dans, de les isoler et de les mettre dans cette petite enveloppe qui leur est dédiée. Tac. Alors ça, je referme. On l'a vidé. Je vais faire maintenant mon total pour savoir combien... Tiens, en fait, j'ai une erreur ici. Vous me l'avez dit la semaine dernière. C'était pas 77... Non, c'était pas 77,77, mais 72,77. Merci hein, de l'avoir fait remarquer. Je m'en serais jamais aperçue. Tac. Alors, je vais faire le total de la dernière semaine qui compte les enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Donc, plus les 50. Le carburant, c'était 39. Coiffeur, rien. Pharma, 20. Vêtements, 13,93. Resto, 66,80. Et enfin, les gains à 10 euros. Non! Ah non, je fais une erreur, ça va pas. 14,60 plus 50, plus 39, plus 20, plus 13,93, plus 66,80, plus 10. Le délire. Bon, bah, très bien. 214,33 €. Ah bah, c'est pas mal, cette histoire. Ah non, il m'a pris mon... Oh, merde. Il m'a piqué mon surligneur rose, papa. Ben non, parce qu'il est parti. J'ai vu qu'il était dans la voiture. Il est parti avec la voiture. Je vais voir si celui-là, il fonctionne. Ah bah attends, j'essaye. Je vais te dire si ça fonctionne ou pas. Ah non, il fonctionne pas. Ouais, je veux bien que tu m'en dépannes, s'il te plaît, poulette. C'est gentil, merci. Alors, je vais cumuler donc mes 5 semaines. Comment je note habituellement? J'aime bien que ce soit à peu près pareil. Total du mois. Ok. Donc, je prends ma dernière semaine qui est déjà inscrite, plus 72,77. Ici, 22, 23, 7, 92 et 48, 99. Donc, ça fait un mois en économie à 366,24 €. Et ben, c'est super bien. C'est très, très bien. Ben, je ne m'attendais pas parce que vous voyez, on avait des revenus vraiment beaucoup moins importants. Donc, je ne pensais pas du tout faire ce score. Alors, vraiment, je suis vraiment contente. Donc, ça va partir direct dans les défis en cours. Ça va bien nous aider. Tac. Ça, j'aime bien le mettre en valeur un petit peu. T'as trouvé, poulette? Oui. Ah, c'est un comme ça? Ah oui, non, mais je vais attendre papa, c'est pas grave. Attends, je vais lui passer un petit coup. Ah, peut-être, mais une petite goutte, hein. Pas trop longtemps, parce qu'après ça va baver partout. Vas-y. Tu fais comme ça. Chou. Yes. Mais c'est, ça a été dessus, un peu. Tu crois? T'as fait trop vite. Mais attends, on va voir. Vas-y, tu fais un test. Et si ça fonctionne. Montre-moi. Ah, je fais le test sur mon direct. Vas-y, on fait un petit test ici. Hein. Bon, on y va. Allez. Un, deux, trois. Non. Nul. Ça n'a pas fonctionné. Nul, c'est ça que t'as dit? Bon, c'est pas grave, hein. Ok. Vas-y, je prends lui, ça va être... Non, mais je vais attendre que papa revienne. Et puis je le ferai. Non, ouais, mais regarde, oui. Là, c'est pas la même couleur. Ça va pas aller. Mince. Il est beau celui-là, hein, mais ça va pas aller, c'est pas la même couleur. Ouais, ça pourrait y aller. Eh bien non, ça c'est un marqueur. Bon, je continue. Tiens, tu retournes au turning. Non, il est trop fort. Hop. Ensuite, je voulais reprendre mon petit carnet. Non, il est là. J'en ai pas besoin. Je voulais noter quand même dans ma catégorie gains. Qu'on a vendu pour 10 € de livre. Tout de même. Ça, c'est les gains. J'ai pas fait 2023. J'avais noté réveil. 5 € parce que j'avais pas trouvé la page 2023. Pardon.
Mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas créé, tout simplement. Attendez, je fais un petit tour rapidos. Non. Ça, c'est mes défis réussis. Non, j'ai pas dû la faire en fait. Bon, mais c'est pas grave. Je vais la refaire, un de ces quatre. Bon, je vais me remettre un post-it en attendant. Si je retrouve mes post-it. Bon, alors là, c'est encore autre chose. Ah, si, avec la main. Oui, mais non, ça, c'est des mains. C'est ça. Oui, tu parles de... Là. Alors. Je note quoi? Donc, livre. Oh, bah, Zora, non, hein, moins de bruit. Hein. Avril, 10 euros. Voilà. Et... je vais me refaire la catégorie. Voilà. Ça, c'est noté. Ensuite, eh ben écoutez, on va compter... enfin, je vais ranger un petit peu mes billets, parce qu'on les, on a compté déjà la somme. Je ne sais plus, d'ailleurs. Bravo, championne. 214,33€, normalement. Je vais recompter quand même, pour être sûre. Des billets de 50, il me semble en avoir vu. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 100. Tac. 120, 130, 140, 150. 160, 170, 180, 190. Alors ici, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je suis à 200. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. 210. 212, 213, 214, 5, 6, 214,16€. Est-ce que c'est bien ce que j'avais compté? Non. C'est pas 16 déjà. 214,36€. Et moi, j'avais compté 33. Bon, bah c'est pas gênant. Hein, pour 3 centimes près. Vous voyez comment je lâche du lest avant pour 1 centime. Je faisais tout un pataquès. Là, 3 centimes, je dis, c'est pas grave. Ça va hein, quand même. Bon. Alors, et bah, écoutez, c'est parti. Avec tout ça, on va pouvoir remplir notre défi. Nos défis. Enfin, les miens, du coup. sachant que j'en ai pas beaucoup à remplir, donc je vais pouvoir bien les faire avancer. J'en ai pas beaucoup, mais avec des sommes assez importantes. Hop, allez, je vais ranger tout ça. Sur le côté. Tac, voilà. Et je vais prendre, du coup... dans mes défis, je vous recule un petit peu pour pouvoir avoir de la place ici. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais commencer par le défi des centimes. Tout simplement. Donc ici, j'ai 10, 20, 24,36€, on a dit. Donc, je commence déjà à noter cette somme. Et puis ensuite, je vais déduire. Hop. Bravo, championne. J'ai dit 14,36€. Voilà. Voilà, je vais remonter tout doucement ma colonne. Donc, j'avais 2,58€ à cocher ici. Tac.
pas déduit. Ok. Ensuite, ben ouais, c'est ça. Mais non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas 14, j'ai 10, 20, 24, 24,36 €. Voilà. Moins 2,58. Voilà, 21,78. Ensuite, j'ai 2,56. Donc, on est à 19,22. Ensuite, pour cocher 2,55, c'est possible. Moins 2,54. Moins 2,53. Moins 2,52. Moins 2,51. Moins 2,50. Moins 2,49. Ok, et il me reste 1,58 de résiduel que je vais cumuler avec mon résiduel d'ici. Donc plus 1,75. Tac. Je vais venir l'effacer tout de suite pour ne pas m'embrouiller. Hop. Donc ce qui fait qu'on est à 3,33. Donc je vais pouvoir cocher la case à 2,48. Ici et 85 centimes qui se trouvent ici en résiduel. Voilà. Oh, bah dis donc, j'ai fait une belle remontada là sur la dernière semaine. Formidable. Très bien. Eh bah écoutez, je cumulerai hein, tout ça. Je vais pas vous embêter là tout de suite avec ça. Je cumulerai hors caméra et si j'y pense, je vous en parlerai dans la vidéo remplissage. Voilà. Et je pense que pour le mois d'avril, c'est pas mal du tout. Parfait. Avril, mai, ce serait bien qu'en mai, j'arrive déjà à remonter jusqu'ici. J'aimerais beaucoup. Hop, alors attendez, maintenant je vais ranger. Excusez-moi. Je vais ranger mes pièces. Alors, on a 20 euros. Ne me demandez pas, je ne sais pas d'où ils sortent. Vous voyez, l'autre fois, j'avais 30 euros. J'avais réussi à retrouver. C'était dans un défi qui me manquait les 30 euros. Là, j'ai 20 euros en trop. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bon, ça va se retrouver. Hein. Vous voyez, comme les 30 euros, je les ai bien retrouvés. Ça manquait dans un défi. Voilà. Là, je retrouverai bien aussi. Bon, bah, je les mets de côté en attendant. Voilà. Non, c'est les pièces d'un euro, c'est pas là. Là, mes grosses pièces jaunes. Là, les petites en cuivre. Alors, ça, ce sont quoi? Les pièces de 2, ici. Les pièces de 1. Donc, ah bah, attendez, je vais pas ranger mes 20 euros dans le bocal. Tout bon. Ok, donc ça, le défi des centimes, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'on va prendre dans l'ordre. Voilà, le défi 5 euros. Parfait. Qui n'a pas trop avancé, hein, parce que c'est vrai que je n'avais pas vraiment de billet de 5 euros à sauver sur le mois d'avril. Bon, c'est pas très grave. Si j'ai pas de billet de 5 euros, c'est pas grave, j'avance aussi sur d'autres défis. Hein. Moi, sachant qu'il n'a pas vrai, il a pas de but, en fin de compte, je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, pour l'instant, je le cumule et puis dès que j'aurai besoin, bah, je pense que je prendrai. Hein. Donc là, j'ai 2 billets de 5. Hop. Donc ce qui fait que j'ai 40 euros. Cette enveloppe normalement donc j'ai 5 10 15 20 25 30 35 40 parfait tac j'ai déjà fait cette planche je l'ai déjà faite une première fois là elle est clôturée et elle est mise de côté j'ai déjà 250 euros de mis de côté mais ça voilà pour l'instant ils n'ont pas de but. Je pense que lorsque j'aurai besoin, est-ce que je les garde de côté pour si un jour on a une facture un peu trop élevée ou pour faire du shopping? Parce que là, en ce moment, c'est un peu ce qui manque. On a besoin de se faire habiller, mais j'ai pas de catégorie assez importante en shopping pour habiller tout le monde d'un coup. À réfléchir, je vais voir. Chambre, normalement.
Je la terminais ici à 800 euros, je n'allais pas jusqu'à 1000 parce que je dois vendre le lit et le bureau de ma fille pour justement arriver jusqu'à 1000. Je ne l'ai toujours pas fait. J'ai pris le lit en photo, mais je n'ai pas je n'ai pas fait ma publication sur le Bon Coin ni Facebook. Donc voilà, ça va se faire, j'espère ce week-end. Centre-école, ça c'est très bien. Je vais essayer de clôturer une première fois cette planche parce que normalement je dois la faire trois fois en tout. Une fois pour la rentrée des classes de ma fille aînée, une fois pour la rentrée des classes de ma plus petite et une fois pour le centre de loisirs cet été. Voilà. Donc là, il me manque 150 euros et je crois que je vais les mettre pour clôturer directement. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Allez, hop. Mine de rien, on est au mois de mai du coup et j'ai déjà fait une première planche. Alors ça va me soulager d'un poids. Au moins, je me dis, ça y est, l'enveloppe pour le centre de loisirs est faite. Sachant en plus que, donc là, sur la dernière enveloppe centre de loisirs qui avait été faite, donc il y a un petit moment, qui était destinée justement à être dépensée sur ses vacances de Pâques, on n'a pas tout dépensé. Il en reste un petit peu. Il en reste la moitié, je crois. Il doit rester 140 euros, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça va se cumuler aux 300 euros ici. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un budget d'environ 500 450 euros, il me semble. Bah, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai là. Tac, et puis je vais tout mettre ensemble. Hein. Ça va être fait. Hein. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Le centre. Tac. Vous voyez, moi je fonctionne comme ça maintenant avec un petit classeur à souffler, hein, comme ça, sous cette forme-là. Hop, super mignon. Alors, dans ma catégorie centre, donc je vais ressortir ce que j'ai. Tac. Donc, il me reste. Ah oui, stage food, donc ça avait coûté 70 euros par enfant. Elles n'ont pas été au centre, elles ont fait un stage. Et donc, il reste 160 euros normalement. Ou 102. Non, là. Ah, 100 et là, les 60. Eh bien, écoutez, je vais rajouter tout de suite les 300 euros. Tac, donc dépôt. Et là, on est le 6 mai. Plus 300. Donc en tout, on en est à 460. J'espère que ça va suffire. On verra. Autrement, à la limite, je me dis mon enveloppe, comment dire, mon défi 5 euros, hein, qui a déjà été clôturé une fois, pourrait peut-être pallier justement si des fois j'ai un dépassement de facture, hein, de ce que j'ai prévu. Hein. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Donc là, je vais recompter si j'ai bien les 300. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Là, j'ai les 300. Et là, les 160. Parfait. Donc, on est bien sur un total de 460 euros pour le centre. Je vais le clôturer là. Centre de loisirs. Là, je vais rattaquer du coup rentrée des classes. Donc, rentrée des classes pour l'une des deux filles. Après, je le referai pour la deuxième fille. Ensuite, on a la catégorie camping. Donc, camping, nous, on part en camping tous les ans en tente et on aime bien se racheter pour notre petit confort. Voilà, des petites choses pour mettre dans la tente. Ça peut être des chaises, un meuble pliable. Enfin, voilà. Donc, je l'avais mis à 500 euros. Alors, c'est histoire de mettre un montant, mais je pense qu'on n'est pas du tout obligé d'arriver à 500 euros. Hein. C'est pas du tout grave. Donc, pour l'instant, j'ai pu y mettre 40 euros. Eh bien, écoutez, je vais mettre les 30 euros restants. Ce qui fait qu'on sera à 70 déjà dans cette enveloppe. Tac. Je sais toujours pas où est-ce qu'on part en vacances. Voilà. J'en sais rien. On verra bien. Donc là, je compte hein, si j'ai bien ce qu'il faut. Parce qu'avec mon histoire là, des 20 euros là, qui traînent,
Donc ici, 30, 40, 50, 60, 70. C'est parfait. Ah, peut-être que je vais pouvoir attaquer aussi l'extérieur, un C4. Ce serait trop, trop bien. Parce que j'ai eu, pour mon anniversaire, j'ai eu des plantes. J'ai eu un lys, un arôme à replanter dehors. Et nous, on aimerait bien faire un massif pour nous cacher encore plus du voisinage. Malgré qu'on adore nos voisins, mais voilà. On a cette chance-là. Qu'est-ce qu'on s'entend bien avec le voisinage? C'est trop, trop bien. Et du coup, bah, ça coûte cher hein, de refaire même un simple massif. Vous achetez un sac de galets pour faire joli, ça coûte un bras. On a l'impression que les galets sont faits en or massif, quoi. C'est un délire, quoi. Donc voilà, j'avais pensé mettre 1000 euros. Bon, on verra bien si on y arrive, hein, tout doucement. Parce que là, je vais avoir camping, que je vais avancer doucement, que je peux peut-être doubler avec extérieur. Ah ouais, j'ai encore centre de loisirs, école. Mais après, je peux peut-être y aller un petit peu plus mollo parce qu'on est en mai, juin, juillet, août. Ah ouais, il ne reste que 3 mois. Non, non, il faut encore que je mette le paquet là-dessus. Hein. Mais à la limite, je ferai une fois, je remplirai ça. Et une fois, je remplirai celle-ci. Bon, je sais pas. Mais je vais peut-être l'entamer quand même, celle-là. Et après, on arrive sur l'anniversaire de ma fille, donc qui est au mois d'octobre. Donc là, on a largement le temps. Eh ben, écoutez, c'est tout du coup pour ce bilan. Je crois que... on est reparti de nouveau sur une vidéo longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si elle vous a plu, à commenter, liker, partager. Je ne vous réponds pas en commentaire en ce moment. Mais je vous lis. Quand je vous lis, de toute façon, je vous mets le petit cœur. Ça, vous le savez. En plus, là, j'ai bugué parce que je me dis, avant de faire la vidéo, j'ai même pas regardé les derniers commentaires qui avaient été postés. Oh, je suis vraiment catastrophique. Mais bon, là, je me dis, on a un week-end de 3 jours. Allez, je vais rattraper mon retard, hein, surtout que ce soit à la maison, au restaurant de mon mari, sur ma chaîne. On va essayer de se remettre d'équerre pour bien repartir sur la semaine prochaine. On se retrouve bah, du coup dans la foulée, hein, dans les prochains jours, pour le remplissage de mai. Et j'aimerais aussi vous faire un point, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, un point sur les défis que j'avais clôturés, notamment week-end, et je n'ai pas tout dépensé. Et on va rebasculer un petit peu dans d'autres enveloppes, dans d'autres défis en cours, l'argent qui est resté. Et également, j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire. Mes filles ont aussi reçu de l'argent. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse le point là-dessus et qu'on dispatche, que je dispatche avec vous dans mes enveloppes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.